Salut tout le monde. Bonjour à tous. J'espère que vous avez passé un bon week-end, les amis. On a un guest spécial aujourd'hui, mais vraiment, elle s'appelle la Machina. La Machina, voilà. Attention, la patronne, la patronne. Elle va faire son entrée. 3, 2, 1, et voilà. Et voilà, les amis. Le but, c'est d'aller aussi vite qu'elle, les amis. Voilà. Bon, aujourd'hui, voilà. On rentre dans la 5e semaine du challenge 100% perte de poids. Et c'est Inès qui va faire la séance. Coucou Anso. Salut. Donc, on vous laisse vous connecter tranquillement. On a encore quelques minutes. Et Inès va vous expliquer tout ça. Donc, exactement. Voilà. Vous n'avez pas besoin de tapis aujourd'hui, à part il y a quelques trails pour les abdos. Mais bon, normalement, ça devrait le faire. Très très simple aujourd'hui, c'est un petit circuit training. Ouh. Donc 45 secondes d'effort, 15 secondes de récup, salut Stérène, pas de problème. Aïe aïe aïe. On aura 5 mouvements, donc très très simple, vous allez connaître les mouvements sur la récupération, on vous expliquera les mouvements. Ouais, on est très très blanche là, j'avoue que... Nasty sera en option, oula le gros plan, je suis choquée là. Le gros plan là. Et Vivi, elle sera avec moi en option difficile, ok? Challengez-vous. Cinquième semaine, non, pas cinquième, si, cinquième semaine. Donc là, on va un peu dans le dur, donc ça va être good. Et les amis, donc une chose, là, c'est un peu la semaine des circuits de 45, donc ça veut dire qu'on a quand même pas mal de temps d'effort. Hein. 45 secondes, c'est long, on est quasi à une minute, donc c'est un temps d'effort qui est assez long, peu de récupération. Cette première séance là, de la semaine, ça sera donc un circuit, comme vous expliquez, full body, et mercredi, vous aurez un renfort bas du corps. En tout cas, ce sera beaucoup plus axé bas du corps. Donc attention, le but mercredi, c'est que ça va piquer les fesses. Exactement. D'accord. Donc vous aurez deux séances un petit peu différentes cette semaine, avec des focus un peu différents aussi. Et puis voilà. Et peut-être que tout à l'heure, on verra. Si on est en avance, on finira avec un Tabata. Ouais, Tabata abdos, hein. Comme d'hab. Voilà. Donc du coup, on va faire 4 tours, 5 exercices. Vous allez avoir une minute de récup entre chaque tour. Cette minute de récup, c'est vraiment pour mettre de l'intensité à chaque tour, ok? C'est vraiment pour faire redescendre le cardio, se reconnecter nerveusement et envoyer sur chaque tour, ok? 5 exercices, 4 tours. Échauffement. Je suis avec des gogo danseuses. Je suis avec des gogo danseuses. J'ai de la chance, hein. Ouais, je sais. Bon, les amis, là, je remercie Dieu pour ça. Elle dit n'importe quoi. Les amis, connectez-vous. Et donc, encore une fois, comme elle vous a dit, Inès, on est 3 ce matin. On est 3, donc vous allez pouvoir peut-être nous suivre. À 3, c'est toujours mieux, les amis. Non, mais non. Je vois des options. Mais je parle du sport. Calmez-vous. Coupez. Coupez, on la refait. Je sors. Hé, hey, salut. Hein. Allez, virée, c'est bon. Allez, virée. Je suis virée. Non, donc, tu es en forme ce matin. Vous avez différentes options. N'hésitez pas à vous caler sur l'une d'entre nous. Parce qu'on sait qu'à la maison, vous avez un peu de mal parfois avec les timers, etc. Vous me dites souvent, oh là là, mais j'ai pas réussi à savoir combien de temps il y avait. Vous calez sur l'une d'entre nous, vous la suivez jusqu'au bout de la séance. C'est ça. Sinon, pour ceux qui ont téléchargé l'application dont on vous a parlé à la maison, le Smart Watch Timer, n'hésitez pas à le mettre en place. Et on sera donc sur une formule de 45 secondes de travail, 15 secondes de récup. Et 5 exercices, 4 tours. Pour ceux qui sont sur YouTube, n'hésitez pas à laisser un petit com, comme ça on peut vous voir. Écoutez, on attend une minute maximum et on va y aller. On va s'échauffer comme d'habitude au niveau des articulations, un tout petit peu de cardio et après on enchaînera directement avec le premier tour comme d'hab. À la limite, le premier tour, vous pouvez vous servir de ça comme fin d'échauffement, donc avec un peu d'intensité et ensuite envoyer direct sur les 3 tours qui restent. Putain, là, allez. Bon. Je pense qu'on va y aller. Vous êtes prêtes? Et comme d'hab, n'hésitez pas, même si vous faites cette séance en replay, à mettre des commentaires, à nous dire un peu comment vous l'avez ressenti. Pour nous, c'est important, ça nous permet de nous adapter la séance suivante. Hein. La dernière fois, j'ai dit c'est trop facile. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça va pas l'être. Allez. Faut jamais dire ça. Jamais nous dire ça. Ok, jamais. Les amis, on va commencer doucement, juste avec des cercles de bras pour déverrouiller un petit peu les épaules tranquillement, un peu vers l'arrière. Là. Qui est entouré de deux belles femmes. C'est pas beau ça? La belle parlante. Même chose vers l'avant. Là, juste ça, tranquille.
Bien, ok, placez les pieds largeur de hanche, pomme de main face à vous, poussez les hanches vers l'arrière et fléchissez légèrement vos genoux. Vous devez sentir l'étirement sur l'arrière des jambes, là, sur les ischios. Là, parfait. On sent ? Là, parfait. Le dos, il est presque parallèle au sol. Tu t'inclines vers l'avant, le regard il est vers le sol, tu te redresses ta tête. Encore un peu. Ok, restez là, écartez un peu les pieds, mettez-vous accroupi, les coudes à l'intérieur des genoux et vous allez juste transférer votre poids de corps droite et gauche. Les talons se décollent à chaque fois, sortez votre poitrine au maximum. Le dos est droit à chaque fois. Salut Sophie. Coucou Sophie. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui le font en replay, surtout le matin. Ok, restez en statique, vous allez lever votre bras droit vers le haut et revenir doucement. Tirez les coudes vers le ciel et revenez doucement. Le regard suit la main. Parfait, inspirez. Là, essayez bien d'ouvrir votre poitrine et de revenir doucement. Hein ? Ah, c'est le lundi matin, c'est pour ça. Ça va se débloquer doucement. Dernière fois, droite et gauche. Ok, comme d'hab, vous allez vous avancer les mains pour vous mettre en planche. Poignée sous les épaules, vous allez placer votre pied droit à l'extérieur de votre main droite. Et même chose de l'autre côté. En dynamique, là, doucement. Pressez la hanche légèrement vers le sol pour déverrouiller votre hanche, votre psoas. La poignée sous les épaules, regard vers le sol. Là, encore un peu. Ok, dernière fois, redressez-vous doucement. Prenez appui sur vos genoux, déroulez le dos doucement et vous venez vers moi, juste montez le genou vers nous et vous reculez doucement. Attends, l'on fait. Faites juste monter le cardio. Encore. J'ai l'impression qu'on fait, on a l'école là. Là, on va à la piscine, tu vois. Reculez, doucement. Encore. Salut Lolo. Reculez, ok, juste quelques jumping jacks. Juste ça, tranquille, avec ou sans les bras. Là, poussez les genoux vers l'extérieur. Massif sans les bras. Encore. 4, 3, 2. Ok les amis, fin de l'échauffement, on commence. Premier mouvement, est-ce que Nasty, tu peux expliquer le temps que je mette le chrono? Amis, premier mouvement, burpees. Alors, soit le burpees complet, avec l'extension à la fin, soit le demi-burpees avec moi. Ok, mains sous les épaules, on recule les pieds en même temps. On fait un petit saut et on ramène. C'est bon, on expliquera là. Ça part dans 10 secondes. 45 secondes. 45 secondes de burpees, les amis. Et on vous montrera les autres mouvements au fur et à mesure pendant la récup. On y va. Parti. Là, soit poitrine au sol, avec ou sans la pompe, les amis. L'option et on garde. Moi, j'ai vu, je pose pas la poitrine au sol et je fais pas le saut en extension. Comme j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez vous servir du premier tour comme fin de l'échauffement. C'est vous qui voyez. Allez, on garde. Moitié, les amis. Allez. Allez, gardez ça. Attention à ne pas faire de vagues avec votre dos. Crochette les pieds pour remonter. Bah, soit ce rythme, soit vous accélérez, soit vous ralentissez. Hein. C'est vous qui vous gérez votre premier tour. Ok, stop. 15 secondes. Deuxième mouvement, regarde. Mini squat. On saute. Et on revient en position de départ. Drop jump. Utilisez vos Option bras. Option avec Nasty. Hein. Les bras, on les amène vers l'avant. C'est parti. On saute. Recule petit pas. Imagine la table Covid, tu l'écrases. Genre, ça ah. Bon, l'option, elle est simple. Hein. Vous descendez un petit peu moins en squat. Si vous ne pouvez pas faire d'impact à la maison, pas de souci. Vous faites un grand pas, un deuxième, un petit squat et on recule. Ok, vous choisissez. Allez, go. Allez les amis, tout le pied en entier au sol quand on se réceptionne. Pour ceux qui sont fans de Ronaldo, c'est sa célébration. Tac. Je marque un but. Allez. Toujours 45 secondes. Poussez sur vos pointes de pied. Chargez vos cuisses. Ok, stop. Easy, le troisième. Prochain. Démonstration. Vous commencez à connaître. Option avec Nasty. Moi, ça sera un petit peu. Poignée sous les épaules. Ok. T'as vu ? Yes. Allez, go. Pour ceux qui ont du mal sur les mains, vous mettez sur les coudes, soit vous dégagez, soit vous sautez avec les deux pieds ouverts. Toujours les genoux vers l'extérieur, attention.
Bon, à tout moment, si c'est trop dur, tu poses les genoux à la maison. Tu peux faire un dynamique sur les genoux. Vous connaissez les options, les amis, il y en a plein. Allez, c'est avec la moitié. De la vitesse, sans vitesse. Visuel sur les genoux. Course, là. Ou pas. Allez, poignée sous les épaules. Regarde entre tes deux mains. Encore les amis. Ok. 3, 2, 1. Stop. Prochain, regarde. Toc jump. Tu vas descendre en petit squat et tu vas venir taper tes genoux au niveau de tes mains. Là, en fait, ce qui va faire l'intensité, c'est la rapidité. Vous mettez nos profils, regarde. Et là, attendre. Tu récupères. Bam. Allez. Monte tes genoux au niveau de ta poitrine, pas talons-fesses, ok? Genoux devant. Là, si tu peux me montrer option et squat tes genoux. Au pire, s'ils ne veulent pas d'option. Voilà, au pire, ceux qui ne peuvent pas faire d'impact, regardez ce que je fais. Un squat, genou monte, genou monte. Un squat, genou monte. Oh là! Ok, deux options. Hein. Vous avez vu, soit, si pareil, vous pouvez accélérer. Ou au contraire, bah, on va faire un sur deux, un sur trois. 10 secondes. Allez. Essayez de monter bien haut. Hein. 3, okay. 2, 1. Dernier mouvement, c'est les pompes. Après, t'as une minute. Ok, tapis. Pas de tapis ici. On se fait mal aux genoux. Sur les genoux. On peut avancer les genoux vers soi. Allez, go. On descend, on remonte. Essaye de garder les coudes proches des côtes. Pour ça, envoie ton coude légèrement vers l'intérieur. Avance ton bassin. Et tu gardes. Regardez les amis, je vous propose l'option. Les genoux, on les avance un peu sous les hanches. Et là, ça va faciliter. Hein. Par contre, repousse, on va gainer. Repousse le sol avec tes mains, poitrine au sol. Les mains à côté de la poitrine quand on descend. Allez, pied, on a dépassé la moitié. Allez les amis. Gardez ça, gardez ça. 10 secondes. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Attention, Evie. Là, vous avez une minute de récup. C'est fait exprès. Ah oui. Ça, c'est puni, ça. Est-ce que ça va? Salut Laurence sur YouTube. Donc, les amis, vous avez vu? Donc, vous avez 5 exercices. Beaucoup d'efforts, peu de récup, mais après, on a une minute pour récupérer. Une minute 15, du coup, même. Ok. Donc là, profitez-en pour respirer. Tu tapes dans le cardio, hein? Bah ouais. Et adaptez les mouvements. Adaptez. Si c'était trop facile, vous venez avec l'option avec les filles. Si c'était trop dur, vous revenez avec l'option avec moi. Qui est là? Qui va là? 20 secondes, on repart. 15 secondes. On repart dans 15 secondes pour les burpees, ah ouais. Les amis. Ok, ok. Oui, là, j'adore. Ah non, pardon, je fais demi-burpees. Allez, chaud. C'est le deuxième tour, les amis. Ne donnez pas tout, mais commencez à mettre un peu d'intensité. Je sais pas. Non, c'est pas, c'est pas grave. Une minute de burpees. Wouhou. Bah ouais, il y avait 15 secondes, on est con. Bon, du coup, on va ralentir un peu. Non, je rigole. Allez. Allez, on continue, on continue. C'est la moitié. Essayez de bien engager les fessiers, les amis, quand vous redressez. Ouais. Si vous êtes parti trop vite, à tout moment, vous ralentissez un peu. Hein. Cécile, c'est chaud. Est-ce que c'est un vol? J'ai envie déjà de mourir. Non, tu veux vivre avec nous. Ok, stop. Deuxième mouvement. Je prends le relais sur explication. Vous vous rappelez? On essaie de viser une ligne imaginaire là-devant. On utilise ses bras pour avancer. 3, 2, 1, go! Essayez quand même de bien redresser votre buste là quand vous sautez. Ne laissez pas la tête partir trop vers l'avant. Hein. Ah, chier! Tiens! Ah, ah, ah.
imaginez, vous avez dit quelque chose. Wow. Le gouvernement, pardon. Alors continuez les amis, on a dépassé la moitié. Chou. Si c'est trop dur, vous avancez. Un petit squat et on recule sans le saut. Allez les amis. 10, 3, 2, 1, pardon. Ok. Stop. Climber. Secondes. Allez, on est reparti pour les climbers. 45 secondes, les amis. Go! Allez, go! Donc, poignée sous les épaules. Sous option plus lente. Vous choisissez. Option là, option là. Quand tu ramènes le genou vers toi, la pointe de pied touche pas le sol. Là. Ok? Si t'es sur les coudes, tu ouvres tes pieds. Ok, comment dégager? Regarde. Soit ça. C'est la moitié. Soit on ouvre. Comme tu veux. Si t'es plus à l'aise sur les mains comme moi, tu te mets sur les mains. Alors attention de ne pas monter vos fesses, hein, les amis, s'il vous plaît. Creusez le ventre et soufflez. 8 secondes. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Top. Tuck jump. Là aussi, hein. C'est pas parce que c'est un saut. On engage les abdos. On souffle. Et on crasse son ventre. Allez, go. Pendant 45 secondes. Allez, les amis. Accroche. Viens claquer tes genoux avec tes mains. Option. Genou, genou. Squat. Genou, genou. Squat, c'est la moitié les amis. On continue. Voilà. 10 secondes. Je reste en option pour vous montrer. Hein. Ok. Pompe, dernier mouvement. Allez, il va commencer à faire chaud à la maison là. C'est la fin du deuxième tour, on a quasi la moitié qui est faite. Trop cool. Génial. Génial. Alors, les amis, la difficulté, c'est de tenir une cadence. Ne partez pas trop vite. Éventuellement, regardez, on ralentit, on attend. Tu peux décoller les mains à côté de ta poitrine et bam. Ok. Si tu veux que ce soit un tout petit peu plus explosif. C'est comme la moitié. Tu as l'amplitude complète. Bam. Monte bien les épaules et le bassin en même temps. Regarde vers le sol. Croise pas tes pieds derrière. Surtout pas. Allez. Gardez ça, gardez ça. 3, 2, okay. 1, top. Les amis, troisième tour. C'est bien à la maison, c'est bien. On va pas se faire revoir sur la minute de vertige. Hein. Les amis, restez motivés. Une minute de récupération. Marchez, buvez un coup, c'est le moment. Hein. Inès, elle vous a mis une de récup. Parce qu'elle veut nous voir tout donner pendant l'exécution de l'exercice. Donc on récupère. Par contre, après, quand on part sur les burpees, on est à fond. Hein. Comme on vous l'a dit à l'introduction, Vivi, la minute, elle est pour ça. Entracte, dansez. Hello team, hit on. Bam, bam. Profitez, hein, vraiment, même si ça vous paraît long, si vous prenez des options difficiles, vous serez content d'avoir cette 10 secondes, j'ai remis au début. Ah, certaine. 3, 2, 1, grave. Allez, go. Allez, c'est les burpees. Hein. Troisième tour, n'oubliez pas, il y en aura 4. Le dernier tour, on essaiera tous de faire les options un peu plus difficiles. Hein. Allez Lolo, maintenant t'es pas morte. C'est là qu'on se sent bien en vie justement. Allez, c'est la moitié les amis.
On reste énergique, on reste motivé, on lâche pas. Wouhou. 10 secondes. Même pas. Allez, 3, 2, 1, top. Bienso. Broad jump, les gars. La ligne imaginaire devant. On utilise ses bras, là. Oui. Allez, go. Plus loin devant, s'il vous plaît. Allez, on continue. C'est les fesses qui descendent dans le sol. En bas. Chou. Les genoux n'avancent pas. C'est la moitié. Respirez bien. Allez, 10 secondes. Allez. 3, 2, 1. Stop. C'est bien. Allez, respire. Les climbers pour la suite. Vas-y, c'est les options, des amis. Hein. Ouais, n'hésitez pas. Hein. Et go. Alors, une option que je vous propose, c'est sans faire le climber, rester en statique, éventuellement. Inès, vous montrez notre sur les coudes, vraiment, encore, je répète à chaque fois au cas où. Là, ou là. OK. Sinon, on avance, là. Là. OK. Sinon, suivi, vivi. 20 secondes. Allez, pressez le sol plus fort que ça avec vos paumes de main. Serrez plus votre ventre. 10 secondes. Allez, jusqu'au bout là. 3, 2, 1, stop. Ça va? Allez là, on se redresse. Tuck jump. Allez, go. Écoutez hein, ce qu'on fait. On souffle quand on monte. Acha. Et acha. Comme si t'éternuais. Allez, les amis. On est léger à la réception. Par contre, attention aux chevilles. Et c'est pas comme a dit Inès, les talons vers les fesses, hein. C'est le genou vers le haut. On continue. 10 secondes. On lâche rien là. Plus haut, s'il vous plaît. 3, 2, 1. Go. Pompe. Avec les options dures, c'est dur. Hein. J'ai vu la machina. Quel jeu de mots. Les pompes. Si tu peux, tu peux faire comment? Regarde, tu mets ta poitrine au sol, tu décolles les mains de 10 cm et tu remontes. Bam. Comme ça, t'as toujours l'amplitude. Les mains juste à côté de ta poitrine. Allez, croche-toi vos pieds. Croisez pas vos pieds derrière. Allez. Les amis, énervez-vous un peu. Quand t'as bien mis. Quand vous 20 secondes, imaginez un truc qui vous énerve là et vous pressez le sol avec vos mains. Macron. Allez. Regardez vers le sol toujours. Allez, 10 secondes, 10 secondes, on lâche. Ah. Oui ma Vivi, ça c'est parfait. 3, 2, 1. Ok top. Les amis, dernier tour. Allez, là on prend une des récup, on est content. Hein. C'est bien ça, Vivi elle est en nage. Ça fait plaisir. Alors écoutez bien, pour le dernier tour, Inès, on leur propose? On leur propose rien du tout. Vous venez avec moi. La mort ou le chichi, les amis. Voilà, en fait j'ai fait ça la prop. La propale. Tout le monde avec Inès et Vivi là. Plus d'options aussi, faciles. Hein. Mais oui, moi aussi. Quoi? Quoi? Je vais entendre des. Ah oh. Alors oui, vous pouvez crier à la maison, ça fait du bien. Hein. Et puis ça permet de respirer quand on crie. En fait. Vous vous rendez compte, ça fait 5 semaines que je la supporte, elle me crie
Elle me réveille à 3h du mat et elle hurle. Je vous jure, c'est une folle. Elle a un film d'horreur. Elle m'appelle, elle me dit Inès Verpiz. Ah, c'est trop Verpiz. Ouh là là. Non, non, non. Ok, on a encore 15 secondes. 15 secondes. Ok, d'accord. Ok. Didier, elle est contente, mais c'est 15 secondes en plus. Les amis, option dure pour toi. La tête. 3, 2, 1. Go. Allez. Allez, les amis. Wouhou. Dernier tour, the last. On est explosif là. Chant. On lâche rien. C'est la moitié, les amis. Il reste 20 secondes. C'est dynamique sur la remontée, surtout. L'équilibre est mis au sol. Explosez à la montée. Chant. Allez, il reste 5 secondes. 3, 2, 1. Top. Sophie, courage. C'est le dernier tour, ma chérie. Ne lâche pas maintenant. Allez, les amis, il n'y a plus rien derrière. Allez, on utilise ses bras, go. Attention de ne pas glisser quand même. Hein. Sur la réception. Levez les bras. De derrière. Vers l'avant. Ah, ok. Allez, comme ça, elle. Une cul bien placée ne se rate jamais. Hein. Allez, léger sur la réception. Vas-y, les éléphants là, boum. Tranquille. Allez, 3, 2, 1. Parfait. Les climbers. Les amis, on tente l'option en course. Pour tout le monde. Mais oui, c'est faisable. Sinon, vous restez sur l'option précédente. Hein. Challengez-vous là. Ouais. Allez les amis, regarde vers le sol, poignée sous les épaules. Je rappelle l'option sur les coudes, bam. Hanche fixe toujours, sinon on ouvre. Allez. C'est la moitié. On lâche rien, on voit loin son pied derrière. On garde ses épaules. Option bien sûr sur les genoux, regarde, là et là. Allez les amis. Allez. 10 secondes. 10 secondes. Accélère. 3, 2, 1. Top jump. Qui a dit qu'il faisait froid ce matin? Il fait chaud, il fait chaud. Une fois, j'ai pas froid. Il fait chaud dans ton corps, bébé. Go. Elle me chauffe, la petite. Allez, genoux poitrine toujours. Ah, accroche. C'est la moitié. Oh, allez. Dix. Cherchez à monter les genoux, s'il vous plaît. 3, 2, 1. Ouh. Ok. Le dernier. Dernier. Derrière, t'as plus rien. Allez, Sophie. Allez, tout le monde. Lâchez pas, on est avec vous. Allez, on fait un peu plus dur, on recule ses genoux. On y va? Go. Allez. Essayez de garder vos épaules bien loin de vos oreilles. Et cherchez le travail dans les pectoraux, là. Chant. Coup proche des côtes, regarde vers le sol. Repousse le sol avec tes mains. Allez. Elle accroche-toi. Allez, allez. Encore, encore.
la moitié largement. Allez, une quinzaine de secondes. Accrochez-vous. Allez. 3, 2, 1. Ouais. Ouh. Ok les amis, c'est bien ça. Les amis, comment ça va? Allez bon, on boit un petit coup tous ensemble. On va trinquer à la santé. Et on va se faire un petit tabata. Hein. Petit tabata abdo les amis. Ah bah oui. Mais il manquait un peu là. Comment ça s'est passé? N'hésitez pas à commenter. Très bien. Apparemment vous avez eu chaud, hein, que la plupart sont un peu morts. Nous aussi, on a chaud, on a besoin de boire un coup. Qu'est-ce qu'on pourrait faire un tabata abdo, les amis? Moi, je vous propose du gainage latéral pour travailler votre taille. Regarde, tu nous montres, Nasty? Tout à fait. On prend en statique ou en dynamique? Coude sous l'épaule? En option? On commence en option au début. Alors, en option avec le genou plié. La jambe la plus proche du sol, elle se met derrière à 90. On monte bien sa hanche et on tend le bras. On regarde, ça, c'est l'option la moins dure. Option plus dure? Vous tendez les deux jambes. Très bien. Option plus dynamique. Il y en a plusieurs. Soit vous faites des petits pulses avec votre bassin, soit vous pouvez ramener votre genou au niveau de votre coude. On cherche à s'étirer au maximum pour les étirer et pour les contracter ensuite. On souffle à la contraction. Ça, c'est vraiment difficile. OK? Du coup, c'est Vivi qui va le faire. Non, j'arrive. Vivi vous propose l'option photo. OK? On fait 20 tabata, 20 secondes d'effort, 20 secondes d'effort, pardon, 10 secondes de récup. On alterne ces deux mouvements, droite et gauche. Ouais, on n'en a pas fait du tout de gainage latéral. Allez, on vous fait voir. Moi, ce que je trouve pas mal, c'est peut-être qu'on pourrait mettre des pulses pour tout le monde. Hein. Allez, pulses pour tout le monde. Non, mais on se dit 10 secondes. Non, mais voilà, on se dit 10 secondes statique. On est quand même à la cinquième semaine. Et à un moment donné, comme me dit Vivi, elle n'a pas le micro, mais elle vous dit, on est quand même à la cinquième semaine, les amis. Ok, choisissez votre côté pour commencer, peu importe. Lolo, Sophie, c'est bien. Allez les filles. C'est 4 minutes, c'est rien. Là, le but, c'est vraiment de venir affiner la taille. Hein. On aime bien ça quand même. Donc, Allez, 10 secondes. Coude sous l'épaule, on regarde devant et on y va. On tend le bras, on essaye de décoller ses deux pieds et on garde ça. Repousse le sol avec ton coude, avec tes pieds. Regarde devant. Allez, petit pulse. Allez, souffle bien. Allez, encore, encore. Garde ça. Ok, stop. On change de côté. 10 secondes. Vous allez avoir un côté où vous êtes plus à l'aise. C'est normal. 3, c'est 2, pas de mettre en option 1, sur le genou. Regardez si c'est trop dur. La jambe la plus proche du sol, elle va derrière, hein. Pas devant, derrière à 90. Les deux cuisses bien parallèles. Voilà, je reste en option, je vous montre. Ok, pulse. Allez, souffle bien. Là, on cherche à creuser dans la taille. Hein. Ok, stop, on tourne. C'est pour la taille de guêpe, les amis. Vous allez faire chavirer les cœurs avec ça. Je vous le dis, moi. Coude sous les épaules. Go. Allez, essaye de décoller tes genoux, tes mollets. Juste l'extérieur du pied qui touche le sol. Allez, pulse. Serrez les fessiers, serrez les abdos. Cherchez la hauteur avec votre hanche. Ok, stop, on tourne. Allez. J'ai l'impression qu'on fait un petit pas hip-hop quand on tourne. Ah, c'est clair. Tu trouves pas? C'est plus ça. Allez, go. Allez, en statique pour commencer. Bien, petit pulse. Allez. Accrochez, accrochez, bam. Pousse vers le haut ton bassin. Creuse et pousse. Ok, on change. Ça doit commencer à chauffer. On fait ça pendant une heure, les amis. Dans les épaules aussi. Hein. Allez, go. Éventuellement, les amis qui ont vraiment trop mal aux épaules, vous pouvez faire un petit gainage costal ici. Un travail sur la taille, je vous montre. Vraiment, éventuellement. Pulse. Allez.
banane posée sur le côté. On tourne. Wouhou! Je vais vous montrer pour ceux qui ne voulaient pas faire de... Moi aussi. Go! Allez les amis! Accrochez-vous! Ok, pulse! Wow. Option avec Nasty évidemment! Ok, dernier tour droite et gauche les amis! Ah bon? Ça fera 8 fois! Allez go! Descendez votre taille, le côté de votre ventre. Wouh! Pulse! Alors ne descendez pas là votre hanche, cherchez vraiment à monter et à rapprocher vos côtes de vos hanches, de votre hanche. Ok, dernier tour les amis. Let's go, on termine. On est content, hein? J'ai l'impression qu'on l'a fait 100 fois. Ben, c'est ça, non? 102 fois? 102 fois. Allez, go! Allez, les amis, accroche. Pulse. Allez, 10 secondes, on termine. Allez! Ok! Hey. Wouh! Ok, bravo les amis, ça. Bravo à tous. C'est bien. Oh, impeccable. Ok les amis. Respirez bien, c'est bien ça. Comment est-ce? Bravo. Bien, tout. Big Boss. Hey. Ça a été... Bravo toi. Bravo toi. Bravo moi. Bravo bébé. Bravo, bébé. Allez, prenez ok le temps les amis, prenez le temps de vous redresser tranquillement. Attention à votre dos. Essayez de marcher un petit peu. Restez un tout petit peu actif pour refaire redescendre un petit peu la température, votre rythme cardiaque. En tout cas, très très bien, on vous félicite. Bravo à ceux qui l'ont fait avec nous ce matin. Bravo à ceux qui le font en replay. On sait qu'il y en a beaucoup le matin qui le font en replay. Donc très très bien. Avec plaisir, Anne-Sophie. Vous avez eu pas mal de sensations là, je pense, okay. En termes de cardio. Puis sur les obliques aussi. J'ai l'impression qu'on va rouler dessus. À la fin, magnifique. Comme on vous expliquait en début de séance, mercredi, ça sera vraiment axé, donc très cardio, mais beaucoup sur le bas du corps. Attention, ça va piquer les cuisses et les fesses, d'accord? Donc, j'ai l'impression qu'on va rouler dessus. Carrément. Non, rien que ça. J'avoue que ça. Nous, on a un petit bulldozer qui est passé dans la salle aussi, là. Oh, tiens, les impressions, Vivi, tes impressions? Mes impressions, c'est que j'ai vraiment l'impression d'avoir perdu 3 litres d'eau. Ah ouais. Et si là, c'était, si c'est cardio mercredi, qu'est-ce que c'était aujourd'hui? Surprise. Que du bonheur. C'est ça. Que du bonheur. Bravo à tout le monde, Facebook, YouTube. En tout cas, on vous souhaite une bonne semaine, une bonne journée. Ce soir, Stop ou Douleur avec Pauline et Marine à 19h. Donc voilà, merci à Vivi d'avoir été présente. Merci à la patronne. Toujours à la hauteur. La patronne.